Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte de vernis biologique, peut-être pas, mais en tout cas beaucoup plus naturel que les vernis qu'on trouve habituellement en magasin. Donc je vais d'abord mettre la base, donc c'est une base de chez Sobioéthique qu'on trouve en supermarché et aussi dans la boutique en ligne Léa Nature Boutique. Donc elle est en super, enfin sur le site à 9,80 et c'est un pot de 10 ml. 84,5% d'origine naturelle. Donc je vous en dirai plus quand je ferai une couleur, quand j'utiliserai la couleur de base. Et donc là je me mets déjà ma base et je vous retrouve à tout de suite. Donc ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'il fait base et top coat, donc on a les deux en un seul. Et je vous montre l'application. Donc le pinceau est assez fin, donc pratique quand on a des petits ongles comme moi. Et donc je vous montre avec le dernier doigt. Voilà, donc il brille un peu. Maintenant, on va attendre quelques petites minutes que la base sèche pour vous montrer toutes les couleurs que j'ai. Donc la base sèche assez rapidement, donc on va commencer tout de suite la revue. Donc je vais commencer par le vernis Avril. Donc c'est un vernis, la couleur c'est col vert. Donc c'est un vernis bleu très tendance en ce moment. Il est à 3,20€ sur le site Monde Bio. C'est un 7 ml. Il est sans toluène, sans formaldéhyde, sans phtalate, camphre ni xylène. Il y a à peu près 36 couleurs sur le site, ce qui est une bonne palette. Donc ça va de couleurs très claires, des French, à des couleurs beaucoup plus foncées. En passant par le noir même. Voilà, donc le pinceau est comme ça. C'est la première fois que je l'utilise celui-ci. Donc le pinceau est moyen. Enfin, il est quand même assez large. Ça couvre très bien parce qu'avec une seule couche, on a le pouce. Donc voici ce que ça donne, donc un beau bleu canard. Ensuite, je vais vous faire la revue par rapport au prix du moins cher au plus cher, comme ça c'est plus facile. Donc ensuite on a la gamme couleur caramel. Donc c'est 6€ le pot de vernis. Là c'est la couleur, c'était une édition limitée je crois, elle est plus en ligne, mais en tout cas c'est 6€ les pots. Là c'est pareil, il y a une vingtaine de couleurs disponibles sur le Monde Bio. Je pense qu'il doit y en avoir plus en magasin si vous trouvez dans les magasins bio. Donc c'est sans parabènes, sans toluènes, sans formol, sans colophane et sans quelque chose à l'éthanol que j'arrive pas à redire ce que j'ai écrit. Et donc c'est un beau bordeaux. Et là c'est pareil. Une seule couche suffirait à recouvrir l'ongle. C'est un bordeaux presque noir. En
Ensuite, on passe à la gamme 1. Donc, c'est une gamme que je trouve à mon Monoprix et sur le site officiel de la marque 1. Donc, c'est à base entre 72 à 85% d'origine naturelle. Il y a 13 couleurs. Ce bleu-là n'est plus disponible, je viens de regarder sur le site. Ils ont surtout des couleurs assez nude. Et le prix est de 13,50 au Monoprix et 12,90 sur le site. Donc c'est un pot de 10 ml. Et donc c'est pareil, sans toluène, sans parabène, sans camphre. Donc, je vais le faire sur l'autre main pour avoir en équilibre les deux. Par contre, un gros souci, je trouve perso, c'est la taille du pinceau qui est vraiment très très gros. Alors je le fais sur mon pouce parce que j'ai le pouce qui est large, mais le reste ça a tendance à un peu en foutre partout. Il est très liquide par contre celui-là. C'est le bleu jean, mais bon, il est plus dispo. Ils ont changé la gamme. On continue avec la marque Sobiotique. Donc celui-ci, c'est sorti, la gamme est sortie cet automne. Donc c'est le séduisant rouge. C'est un pot de 10 ml, 85% à 89% d'origine naturelle. C'est fait à base de pommes de terre, de maïs, de blé, de manioc. Donc presque on pourrait le manger, mais je n'essayerai pas. Et donc, c'est sans toluène, sans formaldéhyde, sans phtalate, sans camphre, sans xylène, sans parabène et sans colophane. Donc celui-là, il est vraiment pas mal. Et donc il est à 9,80 sur leur site. Moi je l'ai trouvé en Super U. Des fois ils font des offres. Et puis je crois même qu'il est un peu moins cher au Super U. Donc intéressant de le trouver en supermarché. Et donc c'est un beau rouge. Vraiment celui-là je l'aime beaucoup. Un peu vers le rose. Le pinceau a une bonne taille. Et bon, celui-là, il mérite deux couches pour bien couvrir. Et donc pour terminer, je vais vous montrer les plus chers que j'ai. Donc c'est les Cure Bazar. Voilà, c'est comme ça. Donc ils sont à 16 €. Il y a 10 ml dans le pot. Et eux, c'est ceux qui ont la gamme la plus large. Il y a au moins 80 couleurs. Ils sortent une collection deux fois par an au moins. Des couleurs à chaque fois pour la saison. Des couleurs foncées pour l'hiver et des couleurs claires pour l'été. Donc celui-là, c'est le Catwalk. Donc c'est un très beau violet. Donc il se présente comme ça. Pareil, donc là c'est 85% d'origine naturelle. C'est aussi à base de maïs, pommes de terre. Le pinceau est très fin. Et les couleurs sont vraiment très belles. Alors bien sûr au niveau de la tenue, tous ces vernis tiennent, on va dire, 2-3 jours. Avec un jour et demi sans mettre de top coat dessus parce qu'ils deviennent vraiment d'un coup mat. Sinon 3-4 jours bien avec voilà, donc ça c'est Catwalk qui est magnifique. Ils tiennent 3-4 jours. Bon, moi je les enlève tout de suite dès qu'il y a un pet. Hein. Que je déteste ça, donc après chacun voit. Donc celui-ci c'est le Stiletto, c'est aussi un très beau rouge, il couvre très bien, ils sont assez épais,
Voilà le stiletto qui est magnifique. Ensuite, on a rose corail gypsy que j'avais acheté l'année dernière pour l'été. Il veut pas. On va le mettre sur ce doigt-là. Bon, les couleurs claires ont plus de mal à couvrir. Faut mettre quand même deux couches. Celui-là nécessite deux couches. Et le dernier que j'ai, c'est macaron. Et celui-là aussi. Alors celui-là, c'est 2-3 couches. Parce qu'il est vraiment peu couvrant. Pour pas qu'on voit les longues, bien sûr. Si vous voulez un effet transparent, il est très bien. Et moi, je préfère quand ça recouvre bien l'ongle. Celui-là, bah, il est pas mal pour une French. Et donc, j'ai le top coat de chez Cure Bazar. Alors, s'il est un peu rose, c'est parce que ben, je l'ai beaucoup utilisé. Et j'ai pas nettoyé le pinceau entre. Et donc, c'est un peu rosy le top coat. Mais bon, maintenant, j'ai appris de mes erreurs. Alors, je nettoie. Et au niveau du dissolvant, j'utilise le dissolvant 1. Donc, c'est une huile. Une huile dissolvante. Et il est génial. Il est à 11€ au monoprix, 100% d'origine naturelle, il sent vraiment rien. Et il dissout le vernis, mais vraiment super. Même les vernis qui ne sont pas naturels, il les dissout vachement bien. Alors il est un peu cher, parce qu'il n'y a pas une grande contenance, c'est 50 ml. Alors j'en profite quand il y a des réductions au monoprix. Mais sincèrement, il est top. Et en plus, vu que c'est une huile, ça nourrit l'ongle en même temps. Donc vous n'avez pas, quand vous enlevez le vernis, vous n'avez pas les ongles blancs et les doigts blancs, quoi. Donc moi j'aime bien. Et je vais vous mettre à la fin des photos de meilleure qualité, parce que là désolé mais il fait moche aujourd'hui et j'ai du mal à avoir une bonne lumière. Je vous mettrai à la fin des photos ou entre des photos de chaque couleur avec le vernis à côté pour que vous voyez quand c'est bien terminé. Voilà, n'hésitez pas à aimer ma page, à liker, à mettre des commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine fois. Bye bye !